Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce n'était pas prévu pour moi de vlogger aujourd'hui, mais c'est mon dernier jour d'arrêt de travail pour ma cheville. Pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de vous monter et vous poster ce vlog très rapidement. Je pense que d'ici 2-3 jours pour que vous ne soyez pas en décalage. Mais pour ceux qui ne savent pas, je me suis refait une entorse il y a une semaine de ça. Il y a une semaine, on a fêté l'anniversaire de Seb, qui est mon meilleur ami. Et voilà, ça n'a pas bien fonctionné au niveau des talons, de la soirée, de la cheville, ça n'a pas fonctionné du tout. Du coup, je me suis refait une entorse. Du coup, depuis samedi dernier, je suis en arrêt de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et je sens là, depuis 2 jours, il y a des trucs qui sont en train de me dire « Meuf, tu vas pas rebosser la semaine prochaine ». Sauf que ce n'est pas envisageable, d'accord? Moi, je vais aller travailler. En plus, j'ai pas une énorme semaine la semaine prochaine, donc ça n'a aucun intérêt d'être en arrêt de travail la semaine prochaine. Mais je sens là, depuis hier, ma cheville, elle me fait mal à un endroit genre... Il me faisait pas mal jusque là, je sais pas pourquoi, elle essaye de me dire fais gaffe meuf quand même. Plus j'ai mal au bide, plus là je sens probablement l'angine qui va me guetter. Angine ou autre chose, mais là il y a quelque chose qui se passe dans mes ganglions qui va me gêner. Donc bon, j'ai rendez-vous chez le médecin à 15h15. Et 11h22, moi je me suis réveillée à 11h10. J'ai essayé de profiter de ma dernière grasse mat. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des grasses mat, très honnêtement, entre le petit et le travail. Donc bien contente, j'ai quand même plus ou moins bien dormi cette semaine, donc c'est cool. En même temps, on admettra quand même le fait que je me suis couchée à 3h10 barrière avec Polo, parce qu'on a beaucoup parlé quand il est rentré du travail. Donc on s'est couché tard, donc on a pas non plus dormi 10h décidé. Mais ça fait quand même du bien. Et puis voilà, je vais essayer de tout emmener un petit peu dans ma journée qui ne sera pas folichon du coup, parce que voilà, je suis quand même en arrêt de travail. J'ai 2-3 coups de fil à passer pour essayer de trouver un kiné pour ma rééducation. J'ai rendez-vous chez le médecin à 15h15 du coup, pour faire le point sur pas mal de trucs. À la base, pas pour ma cheville, mais du coup, je vais devoir lui remontrer ma cheville parce que là, je commence à avoir mal à d'autres endroits. Donc, je vais vous emmener avec moi sur cette petite journée. Mais déjà, est-ce que je vous ai montré cette petite personne? Cette petite personne n'a pas encore de nom. Il est passé par Touille, par Tacos, par T-Rex, par Tibou. On ne s'est pas encore décidé. C'est qui, loulou? J'ai pris un chat noir parce que je suis un chat noir et peut-être je me dis, bah, il va contrer le chat noir que je suis. Et par contre, il s'est fait rincer par Pogo parce qu'il lui a acheté une nouvelle litière, un méga arbre à chat, une nouvelle gamelle et tout. Genre. Franchement, il est pas mal, le petit loulou. Ah oui, parce que c'est ça, le truc, c'est qu'en fait, il a pas de nom. Mais je l'appelle Loulou. En fait, je pense que là, Polo est en train de commencer à l'appeler Loulou aussi. Donc je pense qu'il va finir par vraiment se faire appeler Loulou. Mais c'est l'année d'été. Donc il faut qu'on lui trouve un petit nom en T. Et voilà, moi j'ai quand même besoin de compagnie parce que je suis quand même souvent seule à la maison. Soit le bébé dort, soit le bébé est chez son papa et pour le travail. Enfin bref, je suis quand même souvent seule à la maison. Et je n'ai jamais grandi sans animal de compagnie. Donc j'avoue, depuis quelques mois, ça devenait un petit peu compliqué. Donc je suis bien contente. Et donc on a un petit chaton qui a 2 mois. Ça fait quelques jours qu'on l'a. Ça fait quelques jours que chaque jour il a un prénom différent parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bref, c'est mon petit café au lait et je vais me mettre sur la miniature et le montage du vlog numéro 1 du déménagement parce que ça sort cet après-midi. Fais genre t'es malheureux. Lulo. Il va s'appeler Lulo, moi je te dis. Toto. Parce que c'est l'été. Tibou, on a dit. Bon, vous aurez déjà vu le vlog, mais vous voyez déjà la miniature de ce vlog qui se fait automatiquement. Vous savez à peu près sur quoi vous tombez. Mais ça, vous l'aurez déjà vu, je vous mettrai dans le if, pas de quel côté là. C'est le vlog qui est sorti ce vendredi, qui est le premier vlog de déménagement, et il y en aura 4. J'ai monté les 3 premiers, faut juste que du coup là j'exporte le premier vu qu'il sort dans 6 heures, faut que je le fasse. Et il me reste que le 4ème vlog à monter. C'est complètement différent et je pense que je vous ferai un update plus tard parce que c'est vrai que je pensais que le vlog 4 était hyper long et en fait pas tant que ça. Et du coup, il y a pas mal de choses qui m'ont changé depuis. Bon, j'ai en train d'exporter mon vlog numéro 1 pour le mettre sur YouTube. Lui, il est pas comme moi, ça. Moi, je voulais juste finir la nouvelle école. Hein. Oui, il nous reste un épisode de la nouvelle école à regarder. En tout cas, on va regarder ça. Et après, je me mets focus sur le vlog là, sinon je ne vais pas m'en sortir et il va pas sortir ce soir. Je trouve que le gagnant est logique. Par rapport à ce qui a été présenté sur la finale, ouais. Le gagnant est archi logique et j'aurais pas fait autrement. Mais bon, je ne suis pas une star du rap. Elle va peut-être manger, mais je sais pas, j'ai mal au ventre. J'ai quand même rendez-vous à 15h15, faut que je donne à manger au poisson. Ah non, je vous ai pas dit, on a perdu un poisson il y a 2 jours, 3 jours. On avait Clown et Crapule qui étaient juste là. Donc c'est les poissons des Yo et Polo d'ailleurs. Je m'en occupe, mais c'est plus les leurs que les miens. Et du coup, on a perdu Clown. Voilà, Clown est mort, Crapule est encore là, donc je sais pas comment il va vivre d'être tout seul. Pour l'instant ça va, mais bon bref, une heure m'a dit ça va peut-être se bouger, faire des trucs et tout. J'ai galéré à uploader mon vlog sur mon ordi, ça fonctionnait pas et tout, donc là je crois que ça fonctionne. Faut absolument que je m'en occupe et je vais peut-être attendre un petit peu pour manger, parce que comme je vous ai dit, un petit peu mal au ventre et je suis pas très très bien. Il y a Loulou, il est en train de se faire disputer et il arrive à nous avoir.
Bon, sinon tout de même 13h30, ça commence à faire là. Je suis désolée, peut-être qu'on ne tient pas comme ça, mais ça a l'air trop bon. Ah, du coup, il y a tomate, feta, herbes de Provence, sel, poivre, un peu d'huile. Que tu mélanges un petit peu avec les pâtes sans gluten et un petit peu avec les pâtes normales pour Polo. À une bague de la douche, c'est bientôt l'heure de partir, là il est 14h34, j'ai rendez-vous à 15h15 chez le médecin, mais le temps que, avec ma cheville handicapée, que j'aille jusqu'au parking, machin, que je récupère la voiture, que j'aille jusque là-bas, que je me gare, enfin bref, il faudrait que je parte vers 50, 55 max. Donc bah j'ai pris ma douche, je me suis pensée dans, je fais mes crèmes, tout ça. Pour des questions pratiques de l'examen, je vais me mettre en robe, ce sera plus simple, donc il faut que je trouve quelle robe je mets. Sachant que j'en ai quand même pas mal qui sont au lavage et que j'ai besoin de quelque chose de fluide et pratique, je pensais mettre cette robe là parce que du coup elle est méga longue et elle est pratique, donc je pense que je vais partir sur ça. Bon, on est pas mal, 14h40, je suis prête, il me manque plus qu'à mettre mon attelle et mes chaussures. Et du coup la longue robe elle donne ça. Moi j'aime bien, ça fait des années que je l'ai et je sais pas, j'aime bien. Puis bon là c'est pratique quand tu vas faire des examens et tout. Bisous petit minou. Je viens de rentrer du médecin, finalement je m'en sors pas trop mal. Je vais reprendre le taf à condition de faire très attention et si j'ai une semaine trop compliquée que ça continue à tirer, elle me prolonge. Donc j'ai bien prévenu mes responsables que tranquille la semaine prochaine s'ils veulent que ça se passe bien. Et sinon pour les autres trucs, il n'y a pas trop de solutions, voilà, il faut attendre. J'ai des ordonnances en haut du frigo juste là qu'elle m'a dit tu prends vraiment au cas où si dans quelques semaines ça va pas mieux et tout, tu vas faire les prélèvements dans 2 semaines si ça va pas mieux et tout. Donc bon, finalement je ressors, j'ai bien la confirmation que je peux retourner travailler, donc c'est cool. Il est déjà 16h15, mais il faut que je parte genre dans 1h15, un truc comme ça. Donc je vais refoutre de la glace sur ma cheville parce que j'ai fait ça toute la semaine, ça me fait du bien. Je prends un petit goûter et puis je vais commencer le montage je pense. D'ailleurs j'ai reçu ça il y a pas longtemps et c'est devenu, depuis que je l'ai reçu, mon goûter préféré. Je l'ai mis avec du lait froid. Là j'ai mis des glaçons dedans, je mets moins de chocolat que de la dose prévue parce que je suis pas très chocolat à la base. Et franchement très bon, ça me fait du bien et ça me calme jusqu'au repas du soir. Et apparemment ce petit loulou il arrête pas de faire des bêtises. Depuis qu'il est réveillé, il aime trop faire des bêtises. Bon, du coup je n'ai absolument pas avancé dans le montage, mais par contre j'ai tout transféré sur mon ordi, donc c'est déjà ça, c'est pas grave, je pourrais commencer le montage ce soir. Ça va le faire, ça m'occupera ce soir quand le bébé sera couché. D'ailleurs ma soeur vient d'arriver, donc on va aller chercher le bébé. Donc je vais vous abandonner un petit peu parce que je pense qu'après je ne prendrai pas forcément avant que le bébé soit couché. Enfin bon, on verra, mais en tout cas il est 17h15, je vous abandonne un petit peu. En vrai je suis honnête avec vous, je vous préviens que je vais vous abandonner, donc en vrai ça m'excuse un petit peu. Un chat qu'elle appelle T-Rex alors que ça fait 4 jours qu'il s'appelle plus T-Rex. Oui mais moi quand je l'ai vu il s'appelait T-Rex, alors c'est resté maintenant. Lolo. Bon les gars je suis désolée, je vous reprends hyper tard, il est quasiment 21h. On est posé avec Lolo sur la terrasse, on voit même pas noir sur noir. Franchement honnêtement on a de la chance parce que pour un chaton il aime quand même beaucoup les câlins, il aime beaucoup jouer, il aime beaucoup faire des bêtises, mais il aime quand même bien se poser sur nous et nous faire des petits câlins d'amour là. Regardez comme il est tout kiki là, il aime tout les petites caresses. Bon sinon quand je vous dis que je vous abandonnais, je pensais pas vous abandonner autant que ça. J'ai bien récupéré le Bebs, il voulait manger au resto avec sa tati, sa grand-mère, maman, tout ça. Donc on allait manger au resto. Bref voilà, et pour la première fois de toute ma vie, le resto s'est très très mal passé pour Elio. D'habitude il est hyper sage, ou en tout cas j'arrive à le canaliser avec eux, des gommettes, des coloriages, tout ça. Là pas du tout. Là ça n'a pas fonctionné, pourtant c'est lui qui voulait y aller beaucoup plus que bah moi, ma maman ou ma sœur. Il a mangé mais je pense qu'il était surexcité, il était très fatigué de rentrer de chez son papa, tout ça. Donc ça a été un petit peu compliqué et finalement on est parti plutôt, enfin moi je suis partie plutôt avec Elio, j'avais même pas fini mon assiette. Donc bah heureusement ils m'ont fait un petit doggy bag là, donc j'ai pu finir de manger à la maison. C'est toujours un peu décevant quand t'arrives pas à aller au bout de ce que t'es en train de faire, mais bon là je pense qu'il arrivait juste pas à gérer sa fatigue et que du coup bah il est extériorisé en faisant n'importe quoi, enfin il a tout jeté par terre et tout, du coup c'était un petit peu compliqué. Finalement on est rentré vers 20h tous les deux, du coup en laissant ma maman et ma soeur finir le repas à deux, et bah je lui ai donné sa douche et il est allé au lit tout de suite, il a pas râlé, franchement j'ai même pas besoin d'y retourner, il s'est endormi tout de suite, donc je pense qu'il était vraiment très fatigué. Du coup voilà, je suis toute seule depuis 20h30, du coup je suis sur la terrasse, putain un peu de ce petit chat là qui veut donner de l'amour avant de faire un maximum de bêtises. Bon les gars, je me suis fait avoir par le vlog, je vous ai encore oublié. Du coup il est 22h30 et je suis en live. J'avais pas prévu d'être en live mais j'ai eu pas mal de DM en mode tu fais un live ce soir ou pas. Et j'étais en mode non. Et du coup j'ai cédé, j'ai dit oui. Voilà. Parce que je suis faible. Les gars, je vous ai encore oublié. Bon, il est tard là quand même. Hein.
Le café est déjà prêt pour demain. Le Belge, il fait gros dodo. Et moi, là, je vais clairement aller profiter d'une bonne douche. Bon, j'avoue, je suis pas parfaite à ce niveau-là, mais j'avoue qu'en plein été, en général, je prends plusieurs douches par jour. Au moins une le matin, une le soir, avec la chaleur et tout, je me sens mieux. Et je crois que la douche du soir, c'est vraiment genre été comme hiver, ma douche préférée. Genre, ce moment où tu vas te mettre tout doux, tout propre dans tes draps, là, maman. Bon, les gars, ça y est, je vous reprends après la douche, les cheveux bien mouillés, lavés, etc., etc. Il est, je vais vous dire, minuit pile. Mais bon, le temps que je commence à filmer, je vous jure, a été minuit pile. Bon, là, il est minuit une. J'ai déjà pris mon petit bonbon à la mélatonine pour m'aider à l'endormissement. Je vais pas mettre le ventilateur pour l'instant parce que je crois qu'il fait encore frais, tout du long. Enfin, bref, je vais vous laisser là, je vous fais des bisous. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, qui change du coup des vlogs de déménagement que vous allez avoir pendant un mois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!